بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار Rabbi shrahli, swaadri, wa yassirli, amri, wa hulqadatam mil lisani, yafqahu, kaouli. Amma bardu, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dit dans le Quran honoré, Wata'awa nou ala al-birri wa taqwa, Wala ta'awa nou ala al-ithmi wa l'andouane, c'est-à-dire, entraînez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraînez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on met une bonne attention en cela par recherche dans l'agrément de Allah conformément à la parole du prophète sallallahu wa, wa c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention l'imam muslim y rapporte dans son sahih du compagnon Hudhaifa ibn Asid qu'il a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم في غلفة ونحن أسفل منه فطلع علينا فقال ما تذكرون؟ قلنا الساعة قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات دونك سو كومبانيون حذيفة ابن أسيد إلى Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dormait dans une chambre ou dans une salle Qui était au-dessus de là où étaient les compagnons Et après le prophète sallallahu alayhi salam, Il est descendu les voir Pendant qu'ils étaient en train de discuter les compagnons Donc il a dit Qu'est-ce que vous êtes en train d'évoquer Et les compagnons ils ont répondu On est en train de parler de l'heure du jour dernier Sarah. Et le prophète alayhi salam, Il a dit que l'heure du jour dernier n'aura pas lieu

Wada dabatu al-ard wa ya'juj wa majuj wa shamsi min maghribiha wa narun takhruju min qaratin 'adan talhalu an-nas donc le prophète ar rahmat wa salam il a dit qu'il y aura une ouverture de la terre en orient une ouverture de la terre en occident c'est-à-dire que la terre elle va s'ouvrir avaler ce qu'elle a sur elle ce qu'on appelle al Également une troisième ouverture de la terre qui sera dans la péninsule arabe, péninsule arabique, également une fumée qui se répandra sur la terre, également la survenue de la Dajjal, également le fait qu'apparaîtra la bête de la terre d'Abatul, un animal qui va circuler sur la terre et parler aux gens, la sortie du peuple de Gog et Magog, et Yadjouj, également le fait que le soleil il va se lever de l'endroit où il se couche. Al Amen. À ce moment-là, le repentir, il sera plus accepté. Également, un feu qui va sortir du fond de Radan. Radan, c'est une région qui est au Yémen. Et qui va faire partir les gens. Donc ça, c'est les dix grands signes, mais ils n'ont pas été cités dans le hadith, dans l'ordre. Hein. Comme on va le voir, inshallah Et dans une autre version du même hadith qui est par Muslim, il a dit, dans la dixième position du signe, de ces dix signes, et il a dit, nous zoulouah isa b'ni mariam, sallallahu alaihi wasallam, la descente de Harissa, fils de mariam, de Jésus, fils de Marie sallallahu alayhi wasallam. D'ailleurs, dans la dixième position, dans l'énumération des signes, il a cité ça à la place. Et dans une autre version, un autre important de hadith il a mentionné, ouahi hun tulkina sa Bachar, et un vent qui va faire tomber les gens dans la mer. Là, on verra que quand il y aura Gog et Magog, et il y aura après beaucoup de morts quand ils vont être tués. Et Dieu, il va envoyer des, des oiseaux qui vont euh, mettre les cadavres dans la mer. Et également, le vent, il va faire tomber les gens dans la mer à la fin du monde. Donc, ça, c'est parmi l'explication en détail de ces signes-là. Donc, le prophète, c'est pas contradictoire, mais dans d'autres versions du Hadith, il y a d'autres signes qui ont été mentionnés, mais qui s'imbriquent également dans les dix grands signes qu'on va évoquer maintenant. Donc les dix grands signes dans l'ordre, c'est ainsi. Le premier, c'est la sortie de Ad-Dajjal, ad dajjal, Khuruj -dajjal. Ça, c'est le premier des dix grands signes qui suivra juste quoi l'apparition de Al-Mahdi. D'accord Al-Mahdi, après on dit que Harissa, il va apparaître. Mais avant lui, il y aura la sortie de dajjal Donc les petits signes, ils terminent par la sortie de Al-Mahdi. Et après, le premier des grands signes sera la sortie de ad dajjal qui sera suivi par la descente de Raïssa, alayhi salam. Et donc Raïssa, salam, c'est lui qui va tuer Ad-Dajjal dans une porte en Palestine qu'on appelle bab C'est là où il va tuer Ad-Dajjal. Donc Ad-Dajjal, il va sortir juste avant le prophète Raïssa, alayhi salam. Après, il y aura la sortie du peuple de Ya'juj ya et de Ma'juj, ce qu'ils appellent en français Gog et Magog, qui sont très très nombreux. Au point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce peuple-là, toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la sortie de ce peuple-là, c'est comme c'était simplement 1% de l'ensemble de ces humains-là. Et certains ils ont dit que c'est comme 1 pour 1000. Ça veut dire que le peuple de Gog et Magog ils sont 100 fois plus nombreux que le reste de l'humanité. Et certains savants ont dit même 1000 fois plus nombreux. Et c'est un peuple qui vit à la surface de la Terre. Ce pas, il vit enterré sous le sol, comme certains s'imaginent. Et ce n'est pas non plus des créatures autre que les humains. D'accord Le sens apparent, c'est que ce sont des êtres humains comme nous, mais qui vivent dans un terrain ouvert, un ciel ouvert, sur la surface de la Terre, mais pas dans la surface que nous, on connaît habituellement. Ça prouve que la Terre sur laquelle on vit, elle est beaucoup plus grande que ce qu'ils prétendent aujourd'hui dans les cartes du monde. En réalité, la Terre, elle est beaucoup plus grande, mais ils sont séparés de nous par un barrage entre deux montagnes qu'il a construit le comme on avait vu dans certains cours. Donc ils ne peuvent pas aller vers nous, tout comme nous, on ne peut pas aller vers eux, tout comme on a vu dans le tout premier cours, des signes de la fin du monde. Et ils vont sortir un jour et sera parmi les dix grands signes de la fin du monde. Après, Aïssa il va monter sur une montagne avec des musulmans, parce qu'ils ne pourront pas combattre ce peuple-là, tellement ils sont nombreux. Donc Aïssa avec certains musulmans, ils vont monter sur une montagne, invoquer Allah, et Dieu, il va faire descendre la cause de leur mort. Agog et Magog, il y aura comme une sorte de verre qui va apparaître sur euh, leur nuque, qui va les tuer, ils vont tous mourir, il y aura énormément de corps, et donc c'est là où Dieu il va faire que le vent et les oiseaux Ils vont transporter leurs corps dans la mer. Et c'est comme ça que la terre sera purifiée de ce peuple-là, de Gog et Magog. Et donc, après cela, al salam il va mourir, -salam, il va mourir. Comme on a dit, il va rester environ 40 ans sur Terre, donc bien sûr, ils vont vivre dans l'opulence et dans la gloire et dans la baraka, comme on a vu dans le cours dernier. Euh, ça, il ne va pas mourir juste après la, la mort du peuple de Gog et Magog. Mais il mourra vers 70 ans, à salam, Et après cela, il y aura le fait que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire de son mahreb. Le soleil il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et bien là, à la fin du monde, il va se lever à l'ouest. Et après, il va se recoucher, et après, il va se lever à l'est. Donc, ça, c'est parmi les grands signes de la fin du monde. Et quand cela se passera, plus aucun repentir ne sera accepté. Que Allah nous fasse mes avant cela, Amin. C'est-à-dire que si quelqu'un n'était pas musulman, et ne pourra pas entrer en islam. Et si un musulman il avait des péchés, il ne pourra pas faire le repentir de son péché. Il y a plusieurs situations où le repentir n'est plus accepté. Quand le soleil il se lèvera de son couchant, la porte de tauba, la porte du repentir, elle sera refermée. Il y a une grande porte comme ça, qui est immense, qu'on appelle Babut Taoba, la porte du repentir, qui est toujours ouverte, et à ce moment-là, elle sera fermée. Également, le repentir de la personne, il n'est pas accepté quand il voit l'ange Razra'il, alors salam, venir pour prendre son âme. Pas uniquement s'il voit l'ange Razra'il, mais s'il le voit pour prendre son âme à lui. Parce que certains prophètes, ils ont déjà vu l'ange Razra'il, ils ont parlé avec lui, mais il n'était pas venu pour eux. Donc, ils ne sont pas morts à ce moment-là. Mais si quelqu'un, bon, en général, quand tu vois l'ange Azraïl, c'est que tu vas mourir. Inch'Allah, que Allah ta'ala nous fasse mourir dans un bon état quand on le verra. L'ange Azraïl, alayhi salam, qui est parmi les meilleurs des anges. Donc, si tu vois l'ange Azraïl qui vient prendre ton âme, c'est trop tard pour le repentir. Et également, si tu es dans une situation où tu es sûr que tu vas mourir maintenant, c'est trop tard pour le repentir. Comme Pharaon, que Dieu le maudit, quand il, est sûr qu il, allait, quand il était sûr qu'il allait se noyer, et bien là, il a dit à tout bi Rabbi Moussa. Il a dit, euh, je crois au Seigneur de Moussa. Et il a dit le témoignage qu'il n'y a qu'un qu seul Dieu, c'est Allah. A. Et que Moussa est le prophète de Allah. Parce qu'à son époque, les gens pour entrer en Islam disaient il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et Moussa est le prophète de Allah. Ou Jésus, Risa, est le prophète de Allah. Ils mentionnaient leur prophète à eux. Et donc, Pharaon, il savait que Moussa, c'était un prophète. Mais par orgueil et prétention, il voulait pas rentrer en islam. Quand il est sûr qu'elle allait mourir, quand il a vu que c'était sûr qu'il allait mourir noyé, là il a témoigné pour entrer en islam. C'était trop tard. Ça que Dieu l'a dit "Al ana. Est-ce que c'est maintenant que tu vas témoigner C'est trop tard, Annie. Donc ça c'est les trois cas qu'on a cités. quand le soleil va se lever de son couchant, le repentir sera plus accepté. Quand la personne elle voit l'ange venir prendre son âme, c'est trop tard pour faire le repentir. Son repentir n'est pas accepté. On a cité également que la personne elle est sûre qu'elle va mourir. Par exemple, il euh, y a un truc qui s'écroule sur lui et euh, une seconde avant que le truc lui tombe dessus, il veut rentrer en islam, c'est trop tard. Ou il veut faire le repentir de ses péchés, c'est trop tard. Et également quatrième chose, quand l'âme elle arrive à ce qu'on appelle le rol rara, c'est-à-dire là où tu fais le gargarisme à la moitié de la gorge, voilà, ben c'est trop tard aussi pour faire le repentir. Azraïl Aïssalam, il récupère l'âme du haut de la tête, là où l'âme a été insufflée la première fois quand la personne était bébé, quand elle avait quatre mois dans le ventre de sa mère, bah c'est également là où l'âme est retirée, et quand elle est retirée, eh ben, comme l'a dit le prophète, Basar, que les yeux suivent l'âme. Du coup, les yeux ils montent vers l'eau comme ça, et après, quand la personne son âme elle est entièrement enlevée, eh ben, ses yeux ils restent ouverts comme ça vers l'eau. Ça, c'est la sunnah, c'est de refermer. Les yeux du musulman quand il Pour pas que son apparence, elle soit euh, inhabituelle pour les gens. Comme on avait vu dans les cours qu'on avait intitulé La Pente de, de là, où je vous y renvoie, où on a détaillé en détail cela. Donc, Al-Masir va mourir, alayhi salam. Également, le soleil va se lever de son couchant. Et également, après cela, il va sortir une bête qu'on appelle Da Ard. C'est une bête qui est extraordinaire qui va parler aux gens et qui va distinguer entre le musulman et le non-musulman. Elle va dire toi tu es un musulman, toi tu n'es pas un musulman, et personne ne pourra lui échapper, et elle va parcourir toute la terre, elle va aller dans tous les endroits sur terre et parler à tous les humains d'une parole qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on appelle Dabatul Ald, ce sera après la fin de l'acceptation du repentir, après que le soleil soit levé de son couchant. Là, on est très très proche, quand les gens ils arrivent à cette époque-là, ils sont très très proches que l'heure du jour dernier soit la haine. Après cela, Allah tarala, comme on a dit, il n'acceptera le repentir de personne, que ce soit en repentir de la mécrance pour entrer en islam en délaissant la mécrance et en témoignant pour entrer en islam en disant l'attestation de foi ou le repentir d'un péché de la part d'un musulman. Les deux Allah n'acceptera l'acceptera pas. Donc après la bête et également le fait que le soleil se lèvera de son couchant, ça, ce sont deux signes qui auront lieu à peu près en même temps. D'accord Ils auront lieu à peu près en même temps. Ces deux signes-là, ils auront lieu dans un seul jour, entre le sobor et l'abdoucha. à dire que la sortie de la bête et le fait que le soleil se lèvera de son couchant, ça sera lieu dans le même jour le matin. Entre le sobor et l'ob avant que le soleil se lève, il y a une lueur blanchâtre qui apparaît à l'horizon est. Comme on avait vu dans les cours du jeûne, je vous y renvoie. Et après, il y a le soleil qui se lève. Donc la lueur blanche qui est juste avant le lever du soleil, on appelle ça l'aube. Et à c'est quand le soleil s'est levé dans le ciel, environ 20 minutes après que le soleil est apparu à l'horizon. Environ 20 minutes après, eh ben le soleil il est haut dans le ciel, à la hauteur d'une lance arabe si elle était plantée. La lance à vue d'œil comme ça, tu verras que le soleil il est environ à la hauteur de la lance. C'est ce qu'on appelle à et eh bien entre le temps du Fajr de l'Ob, à Subor ou à le Fajr, je peux dire les deux, jusqu'à le temps de Adūha, entre le temps de l'ob ou du fajr ou du Subor, je peux dire les deux, Fajr ou le jusqu'à le temps d'Ad Ducha, c'est dans cette période de temps en matinée qui va avoir lieu ces deux signes là. On a dit quoi? Le fait que le soleil se lève de son couchant et la sortie de Da Batul la bête qui va parcourir la terre. Et comme on a dit, la bête qu'on appelle Dabatul Ald, elle va parler aux gens, d'une parole qu'on prenne, et elle va distinguer qui est croyant et qui n'est pas croyant. Elle va le dire aux gens. Et personne ne pourra fuir de cette bête-là. Où qu'ils aillent les gens, ils ne pourront pas échapper à Dabatul Ald, la bête qui parlera aux gens et qui parcourra la terre. Après cela, il y aura une fumée qui va se répandre sur terre. Cette fumée-là, les non-croyants, presque ils mourront. Ça va leur faire comme une maladie chez eux, quelque chose qui va les déranger, cette fumée-là. Et presque les non-croyants, ils vont mourir de cette fumée-là. Quant aux musulmans, ça sera pour eux comme s'ils étaient enrhumés. Comme s'ils étaient enrhumés. Et il y aura trois éboulements de terrain ou trois ouvertures de la terre. Trois moments ou trois endroits comme on a vu dans le hadith où la terre, elle va s'ouvrir et avaler ce qu'il y a sur elle, ce qu'on appelle le en arabe. Il y aura un khosaf en Orient, au Maghreb. Il y aura un khosaf en Occident, au Mashriq. Et il y aura un khosaf dans la péninsule arabique. Alors, est-ce que ces trois ouvertures de la terre, ils seront à des moments décalés, à des moments distincts et différenciés, ou est-ce qu'ils seront les trois ensemble? Allahu A'lam. Mais, ces trois ouvertures de la terre, elles ne seront que après la sortie de Ad-Dajjal et après la descente de El Masir. C'est ça que je vous ai dit que l'ordre qui est mentionné dans le hadith du prophète, il n'est pas à la lettre aînée. Parce que dans le hadith, le prophète, il a cité en premier les trois ouvertures de la terre et à la fin, il a cité l'apparition, la descente de dans certaines versions du hadith qu'on a vu tout à l'heure alors qu'en réalité les trois ouvertures de la terre elles seront après Ad-Dajjal et après la descente de Risa par Alayhi Salam et ces trois ouvertures là elles seront dans trois temps qui seront rapprochés, qui seront proches elles vont avoir lieu, ces trois khasaf dans des temps qui seront rapprochés et donc le comme on a dit le khusuf, c'est le fait que la terre elle s'ouvre et qu'elle avale ce qu'il y a sur elle et c'est même possible que ces trois khasaf ils aient lieu en un seul moment, en un seul instant. Tu une ouverture de la terre en Orient, une ouverture de la terre en Occident et une ouverture de la terre dans la péninsule arabique, comme l'a dit le prophète. Et ça également sera lieu après la descente de Risa, Al-Masih. On l'appelle al-masir parce que le prophète Haris salam certains savants ils ont dit que comme c'est connu comme miracle de sa part c'est qu'il guérissait l'aveugle en frottant en passant la main sur le visage de l'aveugle en arabe on dit Masaha, pour dire qu'il a comme ça passé la main sur quelque chose et donc le prophète Haris salam ce qui est connu de lui c'est que kanayam ala alawajil arma du basira que Haris il passait sa main sur le visage de l'aveugle de naissance l'aveugle de naissance et du coup l'aveugle y retrouvait la vue donc c'est pour ça qu'il a été nommé <tout> el masir et est sur la trame faril dans le sens de faril et celui al masir celui qui frotte avec sa main pour guérir les malades ça c'est une explication et d'autres ils ont dit qu'il a été nommé el masir parce qu'il faisait beaucoup ce qu'on appelait siyahah kanayasi fil à dire qu'il voyageait beaucoup sur terre le prophète Haris n'a jamais eu de maison il dormait là où le soir l'atteignait. Si au soir il était dans une mosquée, il dormait à la mosquée. S'il était euh, dans, euh, à l'extérieur ou dans certains endroits, il dormait là où le soir tombait. Et il n'a jamais eu de maison pour pas que les gens plus tard aient adoré sa maison. Parce que ça comme vous le savez, il y a des gens qui l'ont adoré. Il y a des gens qui ont adoré sa mère. Hein, Donc Salam était très assez très détaché du bas-monde. Alors salam et il mangeait de ce qu'il trouvait comme plante. C'est-à-dire que même il mangeait euh, les épinards ou les plantes telles que cela, sans les faire cuire, et les manger crues comme ça. Et ça, c'est très bon pour la santé, ce type de plante-là. était très ascète Et il portait de la laine non tissée, non, de la laine brute, Non travaillée, non adoucie. C'est quelqu'un qui était très, très détaché du bas monde. qui était ce qu'on appelle un ascète, Zahid. D'accord C'est pour ça que les Soufis, c'est une appellation qui a été inventée plus tard, mais en réalité, tous les prophètes étaient Soufis. Dans la signification, le soufis est celui qui a appris la religion, qui applique la religion, donc il est pieux, il est vertueux, et en plus de cela, il se détache du bas-monde. Donc souvent, il prend des habits qui sont rêches, qui ne sont pas confortables, il mange juste ce qu'il a besoin pour vivre. Il ne cherche pas le luxe et le superflu dans les habits, dans le logement, dans la nourriture, mais il se contente de ce qu'il lui faut pour vivre. Et ça, tous les prophètes, ils étaient ainsi prophète Mohammed prophète aïssalam tous les prophètes que Dieu l'a envoyé depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed aïssalam sur la il se suffisait de peu ils étaient à 7 ils étaient détachés du bas monde mais après l'appellation de soufi elle a été inventée plus tard mais dans le sens tous les grands saints comme Abou Bakr As-Siddiq Omar ibn Al-Khattab Imam Ali Othman Ibn Rabbas, ils étaient tous détachés du bas monde, et tous les prophètes bien sûr, qui sont l'exemple de tous ces gens-là, ils étaient à plus forte raison détachés du bas monde et pas attachés au superflu. C'est ça le vrai soufisme. Ce n'est pas le faux soufisme, ce qu'on appelle le wifa, qui des gens ils savent juste avec de la laine, mais après ils n'apprennent pas la religion et ils passent tout leur temps à faire que des chants ou que des madirs, tout ça, ou du zikr, ou des fois ils déforment, le de Allah, ils disent ah ah comme ça, au lieu de dire Allah. Et qui disent soi-disant, que Dieu, s'infiltrerait dans le corps de ses créatures, que Dieu, s'incarnerait dans sa création, que Dieu, soi-disant, et le monde, seraient une seule et même chose, et que Dieu serait mêlé au monde, tout comme la neige est mêlée à l'eau. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ou qui prétendent que Dieu et le monde, c'est une seule et même chose, alors que Dieu s'incarnerait dans ses créatures. Arrondu Ça, c'est pas la croyance de l'islam. C'est pas la croyance du vrai soufisme, ça. Arrondu comme Quand il dit que le Baam bon, Nourachir, qui est un grand savant malikite, il a dit eux, ils ont la croyance des Asharites et ils suivent la quand de Junaïd al-Bardadi, de Salik. Taliqa de Junaïd de Saliki. Ben, le Junaïd, c'est un grand savant, comme Ahmed al-Rifari et d'autres, que ben, la croyance de la et des et des Matoulidites. Que Dieu il a créé toutes choses et qu'il ne pas ce qu'il a créé, que Dieu ne s'incarne pas dans ses créatures. L'ami alid wa ou wa ahad. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que Dieu, il n'est rien qui est issu de lui. Que Dieu, ce n'est pas une substance duquel serait issue autre chose, et Dieu lui-même n'est pas issu de quelque chose d'autre. Walam yakullahu kufwan ahad, et Dieu n'a aucun équivalent. Ça, c'est la croyance de l'islam et tous les savants soufis. Soufis, c'est les meilleurs dessein. Ce pas des apostats et des gens qui sont irreligieux qui prétendent que Dieu et la créature, c'est la même chose, à Ça, ce n'est pas la vraie croyance des soufis. Comme ils ont dit les grands savants, comme l'a dit Ibn al et il a dit Celui qui prétend que Dieu s'incarne dans ses créatures, qui rentre dans la chair de ses créatures, ou à l'intérieur des murs, des arbres, ou des humains, etc. Sa religion, elle est malade. Elle n'est pas sur l'islam, elle n'est pas sur la vérité. Et personne n'a dit que Dieu et le monde seraient une seule et même chose sauf les gens qui sont mulhid, les gens de elhad, les gens qui sont irreligieux, qui n'ont pas de religion, qui ne sont pas sur l'islam. Donc ça n'est pas le grand de l'islam. Ça c'est les faux soufis, comme t'en trouve certains euh, au Maroc ou en Éthiopie ou dans certains pays d'Afrique ou autres ou en Syrie, qui sont infiltrés parmi les musulmans et qui disent n'importe quoi. Eux on les appelle les moutassaroufah, c'est-à-dire les gens qui prétendent être des soufis mais qui ne sont pas des soufis. Comme el hallaj aussi. El hallaj, c'était un faux soufi. Dans le passé, à l'époque qui était en Irak, à l'époque de Ahmed et de Abdul al-Jilani, qui lui disait Ma bati illallah, Allah", il disait Il n'y a dans mon habit que Allah, aron il prétendait que Dieu s'incarne en lui. Donc, ça, c'est le faux soufisme, c'est des gens qui sont des charlatans, que Dieu nous en préserve. D'accord À Fès, au Maroc, il y a des gens qui sont des vrais soufis, des gens qui sont bien guidés, dans d'autres pays également, mais il y a aussi des gens qui sont des charlatans qui disent soit disant que Dieu s'incarne dans ses créatures, etc. Et il y a des gens qui se prétendent Chazeli, par exemple Ashkultiya, et qui disent n'importe quoi. Alors que le grand saint Ashkultiya, il disait pas ces choses-là. Que Dieu nous en préserve. Le Hassan Chazeli, il disait pas des énormités comme ça. Et également, il y a des gens qui se réclament de tijan d'accord, Tijani. Alors que Tijani, c'était quelqu'un qui était bien guidé à la base. Mais il y a des gens qui se réclament de lui et qui s'égarent qui disent n'importe quoi qui dit soi-disant que le fait de réciter l'invocation en faveur du prophète, salam, salat al-fatihi, et eh bien que soi-disant ce serait euh, mieux que de réciter 6000 fois le Qur'an. Ça, c'est parmi des gens qui se réclament de la t'en lire, dans le sud de l'Afrique, en Éthiopie. Certains ils disent ça. Alors que les vrais Tijan ne disent pas ça. Ça, c'est la falsification de ce qu'il enseignait à Tijani, Rahimahullah. Donc, faire attention également parmi les Mourides. Ceux qui suivent euh, la tariqa de Shah Ahmed Bamba, sont des gens bien guidés. Mais tu as des ignorants qui se joignent à eux, juste ils chantent des chansons, etc. Et qui vont te dire que euh, Ahmed Bamba, c'est tout, soi-disant, que c'est le monde, et qu'il euh, y en a, ils vont sortir de l'ignorance ou des choses. Donc dans tous les grands savants, ils ont été éprouvés par des faux élèves, des gens qui se sont attribués mensongèrement de leur tariqa, de leur voix, et qui ont inventé des choses fausses. Tout comme également les prophètes ont été éprouvés par des gens qui se sont réclamés d'eux et ce n'est pas sur l'islam. C'est pas que les chrétiens ils se réclament du prophète Tariq, alors que Rissa n'était pas chrétien. C'est pas que les juifs ils se réclament du prophète Moussa, alors que Moussa, Moïse, il n'était pas juif. les chrétiens ils disent que Ibrahim, Abraham, il était chrétien et les juifs ils disent que il était juif, alors que dans le Coran, il a dit, ma kana Ibrahim wa la nasraniyya, kana hanifan muslima ma kana al à dire que le prophète Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était bien guidé musulman, et il n'était pas du nombre des associateurs. Et il n'était pas du nombre des mouchrikin, de ceux qui adorent autre que Allah, qui associent Allah à autre que sa création, les associateurs. Et Allah Ta'ala, avant d'avoir mentionné cette ayah, il a dit avant, comme l'avait commencé à mentionner dans certains cours auparavant, il a dit, c'est-à-dire pourquoi vous tergiversez, vous, les juifs et les chrétiens, concernant Ibrahim, à savoir est-ce que Ibrahim, Abraham, il était juif ou est-ce qu'il était chrétien Alors que... La Torah et l'Évangile authentique n'ont été révélés que après le prophète Ibrahim. A. Le prophète Ibrahim il était 2000 ans avant le prophète Moïse, avant le prophète Moussa. Abraham, il était 2000 ans avant Moïse. Moussa. C'est-à-dire que le prophète Ibrahim il existait avant la Torah et avant l'Évangile. Or, la religion des juifs et des chrétiens, elle est apparue après la descente de la Torah authentique et après la descente de l'Évangile authentique. Les juifs et chrétiens, comme on a dit dans le cours précédent, à la base, c'était des musulmans qui suivent la Torah et l'Évangile. Puis après, ils ont falsifié leurs livres et se sont égarés. Donc leur nouvelle religion qu'ils ont inventée après l'islam, qui était le judaïsme et le christianisme, ils l'ont inventée dans tous les cas après que la Torah et l'Évangile aient été descendus et révélés. Or, Abraham, il était 2000 ans avant la Torah et encore plus avant l'Évangile. Donc il existait avant la religion des juifs et avant la religion des chrétiens. Donc comment ils prétendent que Ibrahim était juif ou qu'il était chrétien, alors qu'à son époque, la religion du christianisme et du judaïsme n'existait pas. Subhanallah. Et ça, c'est dans le Coran. Dieu a dit Pourquoi vous débattez concernant Ibrahim Parce qu'à l'époque du prophète, les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, hein, ils disent qu'Abraham était chrétien le juif disait qu'il était juif, et donc ils disputaient entre eux lima Ibrahima Wama Alors que la Torah et l'Évangile n'ont été descendus que après le décès de Ibrahim. À son époque, il n'y avait ni Torah ni évangile. Il n'y avait ni Judaïsme et ni Christianisme. Attention, ça ne veut pas dire que le Judaïsme c'était dans la Torah et le Christianisme c'était dans l'Évangile. La vraie Torah et le vrai évangile, la Torah ou l'Injil, ils contenaient l'Islam, ils enseignaient l'Islam. Et c'était les préceptes de l'Islam enseignés par les prophètes. Sauf que leur loi était différente de notre loi à nous. À leur époque, il n'y avait que deux prières à faire, alors qu'on nous, y en a cinq. Mais au niveau de la croyance, c'était la croyance de l'Islam. C'est la croyance de l'Islam, parce que tous les prophètes sont venus avec l'Islam, comme on a vu dans les cours précédents. L'ima c'est, dans le règle du tajwid, obligatoire de le prononcer et le prolonger six temps. D'accord? Parce que tu as une lettre de prolongation suivie d'une soukoun d'origine, soukoun osliya, dans la shadda du jim Tu Donc, quand tu récites le Quran, il faut que tu prolonges six temps. Lima tu Six temps, c'est le temps de déplier un doigt ou de le refermer. C'est ça, dans la science du tajwid. Ce qu'on appelle haraka. Soit le temps de déplier un doigt. 1 2 3 4 au soit de refermer un doigt 1 2 3 4 d'accord si comme dans voilà bin quand tu as une lettre de prolongation suivie d'une on appelle ça mad lazim ici kalimi parce que dans un mot et muthaqqal parce qu'il y a une shadda c'est un mad lazim kalimi as des mad lazim sont pas qui sont sans shadda comme dans le mot qu'on vu tout à l'heure, al-ana, quand Pharaon, Dieu l'a dit, est-ce que c'est maintenant que tu rentres en islam Ici, al-an, tu as le hamza d'interrogation, et après la soukoun du lam, donc tu prononces six temps tu prolonges aussi harakat. D'accord Donc tu dis al-ana, mais il n'y a pas de chedda. donc ça c'est ce qu'on appelle, lazim kalimi, c'est une prolongation lazim qui est obligatoire, indispensable. Tu dois faire six temps et pas moins ni plus. Kalimi, parce que dans un mot et muhaffaf, parce qu'il n'y a pas de shadda. Et après as des madlazim qui sont harfi, c'est-à-dire que c'est des madlazim mais dans le nom de lettre. qalami wa ma Noun c'est une lettre quand tu si en arabe ça compose de trois lettres le noun, le wab et le noun. Donc quand le nom de lettre en arabe il est de trois lettres et l'aide lettre du milieu c'est une lettre de prolongation suivie d'une sukun. Ça, c'est pour les lettres qui sont au début des sourates Comme Alif, Lam, Mim. D'accord Ça, c'est également, c'est des prolongations de six temps. Mim, il y a trois lettres. Mim, Ya, Mim. suivi d'une seconde. Donc, si c'est suivi d'une Shadda, il y a un hydrome juste après. On appelle ça Ahmad Lazim. Harfi, Muthakol. C'est Amad Lazim dans le nom de lettres qui est Muthakol avec une Shadda. Comme par exemple dans Alif Lam Mim En fait tu as le Lam Terminé par un Mim avec une soucoune dont tu fais l'hydrome Tu le fusionnes avec le Mim de la mime Mim Donc tu dois dire Alif Lam Mim Donc le Lam et le Mim Tu vas prononcer six temps et pas moins Alors c'est pas Haram que tu prononces alors ce pas Haram que tu prolonges moins que 6 ans, mais dans la règle de c'est faux. Et là, la mime, tu as une chedda parce que tu imbriques, tu fais ce qu'on appelle hydrom entre le mime du lam et le mime de mime, mais la dernière lettre et la première lettre. Du coup il y a une shadda, donc tu dois prolonger 6 ans, et on appelle ça Mutharkol parce qu'il y a une shadda. Et après tu as le madlazim harfi mukhafaf, le madlazim dans une lettre, mais qui est sans chedda, comme par exemple... SOD. Là, t'as juste... Il euh, a pas de chat tu T'as juste l'être SOD. Par exemple, noon. Par exemple, également... Qof. Mais tout ça, j'ai prolongé si temps. Le nom de la lettre. Ce qu'on appelle le matelasym. HALFI c'est dans les lettres. En fait, il y, y a quatre types de lazim et chacun des quatre, tu en as deux qui sont dans le mot, donc on appelle Samad Lazim Kalimi, et tu en as deux qui sont dans la lettre, on appelle Samad Lazim Harfi. Et après, chacun des deux se divise aussi en deux, Ta mu et Mufafaf. Soit avec une cheddaf, soit sans cheddaf. J'ai vu, rien que pour lire les lettres au début des sourates, Alif, Lam, Ra. Par exemple, ben ça, il y a des règles spécifiques de tajwid. Si quelqu'un l'a pas appris, comment il va le lire Un qui était ignorant, il a voulu lire le Coran. Comment il a commencé sur al-Baqarah. Il a dit Alam ne savais pas qu'il fallait le lire avec le nom de la lettre. Alif-Lam-Mim. Rien hein, que tu dis juste. Alif-Lam-Mim. Tu as 30 Hassanat, prendre Le prophète, alayhi salam, il a dit que pour chaque lettre que tu récites du Qur'an, tu as 10 Hassanat. Et après, il a dit que Alif-Lam-Mim, il n'a pas dit c'est une seule lettre. Il a dit que Alif, c'est une lettre. Le lam, c'est une lettre. Le mime, c'est une lettre. de Allah. Il y a beaucoup de récompenses à rester le Mais les récompenses, elles sont uniquement que si quelqu'un a appris la règle de et qu'il a appris par transmission la bonne manière de réciter. Si quelqu'un il n'a pas appris la règle de tajwid, il risque de pas savoir comment on récite tout ça. Et là, ce qu'on appelle des majlazim. C'est-à-dire que si tu as prolongé moins que 6 temps, tu n'as pas la récompense de la récitation pour ces lettres-là parce que tu n'as pas appliqué la règle de ta Alors que si c'est des lettres dont leur nom il n'est que de deux lettres, par exemple to ha. Alors, quand tu fais les lettres au début des surates tu prononces pas la hamza. Normalement, c'est un, ha, un. Là, tu ne prononces pas la hamza. Je dis juste ta, ha, ra. Tu prononces pas la hamza à la fin. Tu mets une à la fin du nom de chaque lettre. Alors, normalement, il y a la tanouine avec la harakat qui lui correspond. Quand c'est dans les débuts des surates dans le koran tu prononces pas euh, la harakat de fin de mot Tu mets une sukun. Tu dis mim lam tu dis pas mimun lamun sodun, tu dis MIM, lam et quand c'est des noms de lettres qui sont avec une lettre de prolongation Suivi d'une hamza tu ne prononces pas la hamza comme tu dis ba ta d'accord tu dis pas ba un ta un donc par exemple ta ha, tu dis pas To, un ha un tu dis ta ha. quand c'est comme ça des noms de lettres qui sont que de deux lettres comme le ta le ha le ra qui sont parmi les lettres qui, par lesquelles tu débutes certaines sourates du quran Là, tu prolonges que deux temps. Donc, tu dis, Toha, ha que deux temps. Tu dis, Alif Lam Ro, Alif Lam ro. Voilà, pour faire la bonne manière. Le Ro, tu ne prononces que deux temps. C'est clair Et ces lettres-là, bien sûr, elles ont une signification dans le Coran. Mais les savants, ils ont donné plusieurs avis concernant ces lettres qu'on appelle Fawatir Aswar. Ça veut dire les lettres d'ouverture des sourds. Des et donc, après, il y a, comme on a dit, les trois ouvertures dans la terre, après la descente d'Al-Masir, et après il y a ce feu-là qu'on a dit qui va conduire les gens depuis le sud de l'Arabie, qui vont les conduire vers l'Orient, vers le Mar, vers l'Est, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a le feu qui va euh, conduire les gens du sud du Yémen vers l'Ouest, vers le mar -Rib. Et Radan comme on a dit c'est une terre au Yémen, le Yémen c'est au sud de la péninsule arabique et c'est au sud également de la terre des pays du Cham. Il y a un feu qui va sortir du sud de la péninsule arabique et qui va conduire les gens, les gens ils vont fuir de ce feu là, mais ce feu là il avance lentement. Et les gens ils vont avancer, ils vont fuir de ce feu là et ce feu là bien sûr c'est pas le feu de l'enfer parce que l'enfer et le paradis sont pas sur terre. D'accord, quand on dit Jannah, de Nin, ça veut pas dire euh, les, les jardins de Radan. Non, d'accord, le paradis, il est dans au delà Et également, ce feu-là, ce n'est pas le feu de l'enfer. C'est pas comme certains prétendent, soi-disant, que le paradis il serait au Yémen ou en Irak ou je ne sais pas où. Et l'enfer, il n'est pas sur terre également. Et donc, euh, le feu, dans le bas monde, le feu de l'enfer, les gens, ils ne le verront pas. Ils le verront au jour dernier, quand Dieu, il va envoyer 70 mille anges qui vont tirer comme ça un bout de l'enfer. Avec 70 000 chaînes, comme ça, des grands, une grande partie de l'enfer sera tirée par les anges, aux yeux des gens, au jour dernier, qui seront au-dessus, comme ça, des non-musulmans, ils verront le, le, une partie de l'enfer, comme ça, les surplomber. Ça, c'est au jour dernier. Dans le bas-monde, personne n'y voit le feu de l'enfer. Donc, on aura terminé par cela, l'évocation des dix grands signes de la fin du monde. Bien sûr, ils sont à détailler, mais on fait une pause dans les cours des signes de la fin du monde, afin que vous puissiez vous adonner aux cours qui sont prioritaires, des autres vidéos concernant la prière et autres, qu'on va envoyer prochainement, Inch'Allah. Et plus tard, Inch'Allah, on reviendra sur l'explication des dix grands signes de la fin du monde, qui débuteront par la sortie de Ad-Dajjal, comme on a dit. Après, il y a la descente de Al-Masir, Alayhi Salam. Après, on a dit qu'il y aura la sortie du peuple de Yadjouj et Majjuj. On a dit également le fait que le soleil se lèvera de son couchant. La sortie... De l'animal de la terre. On a dit également qu'il y aura la fumée qui va se répandre sur terre. Il y aura également trois éboulements de terrain, trois ouvertures de la terre. Et on a dit qu'il y aura ce feu-là également qui va conduire les gens et les faire fuir en direction du Marlèb. On demande à Allah qui nous accorde une fin heureuse et qui nous fasse mourir sur l'islam et qui nous préserve de la nuisance de Ad-Dajjal je vous rappelle que Ad-Dajjal après chaque prière dans chaque prière après le Tashahud on demande à Allah Ta'ala qui nous préserve de la fitna de Ad-Dajjal et le prophète a, a dit il n'y a pas un seul prophète sans qu'il ait mis en garde ses communautés contre Ad-Dajjal اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر